Alors, la production du modèle Y berlinois aurait atteint les 6 000 unités par semaine, d'après ce qu'ils sont en train de dire sur cet article, du coup. Bon, ça augmente gentiment, quoi, hein, 6 000 par semaine, voilà. L'objectif, un jour, ce sera d'atteindre les 10 000, ce serait une valeur incroyable. Cette étape a apparemment été confirmée dans un article sur LinkedIn donc de Bob Fulks, qui a noté que les chemises du modèle Y de Langacker étaient en effet des trophées de réalisation jusqu'à 6 000 véhicules par semaine. Donc la chemise 6K est là aussi. Votre message est quelque chose que nous ressentons tous ces gigas. Quelque chose qui nous traverse, une fierté pour ce que nous avons accompli. Le capot de notre nouveau magnifique Quicksilver modèle Y est parsemé de trophées de nos réalisations. Je crois que ce sentiment vient du sang, de la sueur et des larmes nécessaires pour arriver là où nous en sommes. Nous avons tous choisi le contraire de la facilité. Nous avons choisi de nous battre, d'être des pionniers, de construire, poursuivre notre propre voie, de créer. Ce choix nous a fait entrer dans le livre des records. Non seulement le modèle Y est la voiture la plus vendue sur la planète, mais c'est la première fois dans l'histoire qu'un véhicule électrique se vend mieux que les autres. Ok, alors là, du sang carrément, quoi. Ouais, il en fait beaucoup, hein. Après, ça reste une voiture produite dans une usine. C'est pas non plus, voilà. C'est pas non plus la réalisation du millénaire, quoi. Après, c'est un joli record, hein. Je dis pas, modèle Y, la voiture électrique la plus vendue au monde. La voiture la plus vendue au monde qui est électrique, oui, c'est beau. Après, il faut quand même redescendre sur Terre, c'est un produit, hein. Une voiture, bon, c'est pas non plus une réalisation incroyable, quoi. Faut relativiser, je dirais. Mais bon, félicitations à eux quand même. Maintenant, Berlin produira dans le futur la future modèle 2, on a hâte de voir. Évidemment, les prochaines étapes de cette usine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il en fait pas un peu trop, le monsieur, là?